Salut l'équipe, bienvenue sur K-Lab. On est super content d'entrer aujourd'hui, comme d'habitude, pour une toute nouvelle vidéo. Ouais, pour une suite. En fait, je pense qu'on va vous faire une suite régulière de cette vidéo-là, parce que la première vidéo vous a beaucoup plu, et on a vu qu'il y avait une vraie demande sur les investissements sneakers, et comme c'est un peu ce qu'on fait nous au quotidien. Bien sûr. Donc comment ça va se passer? On va faire une suite, du coup, on se retrouve dans notre petit local, on met tous nos sneakers. Du coup, on va vous présenter ce qu'on a vendu, ce qu'on a racheté, ce qu'on pense, nos prévisions, etc. Comment les prix, voilà. Comment les prix comment est-ce qu'on voit les prix augmenter sur certaines paires, et puis on vous dira aussi à combien est-ce qu'on a pu racheter, tout ça. On vous emmène un peu dans notre petit local et comment on fait pour hold et vendre des paires. C'est parti. On prend la caméra et ça démarre. Donc du coup, on commence par la première étagère, tout en haut, New Balance 150 UNC. Dans la première vidéo, il y en avait un peu moins, vous avez dit qu'on allait recevoir. Donc là, on est au bout, on ne devrait plus recevoir. On est à 19 paires achetées pour, en moyenne, 165€ et qui sont déjà en train de prendre de la valeur, qui valent c'est 220-230€. Donc ça, c'est sûrement un de nos meilleurs hauls du moment. Ensuite, ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y avait que de la mythe d'anthracite. On avait 35 paires. On a vendu 23, je crois, à Wesignou. On a gardé 10, non, donc on a vendu 25 à Wesignou, on a gardé 10. 25. Donc, 10 paires pour récupérer un peu de sous et acheter d'autres paires qui arrivaient, parce que stacker 35 paires de anthracite, c'était pas forcément la meilleure idée pour nous. Ensuite, on a une paire qui a été coupée au montage de la première vidéo, mais voilà, c'est la mid smoke green. Voilà, ça c'est une paire qui a un peu, faudrait qu'on commence à songer à la vendre. Pareil, 10 paires de ça. Voilà, en dessous, ça vous l'aviez déjà vu, celle de la Johann Wanloo Bretto Mocha Diamond. Donc ça vous avez déjà vu. Là il y a la Force One blanche, donc ça c'est des paires qu'on vend, qu'on fait tourner régulièrement pour nos clients, tout ça. Et la Paisley. Et la Paisley, et là, et la Force One blanche, c'est un très bon modèle. Ouais, super bon modèle pour cet été. Pareil, c'est super. Ouais. Donc ça, c'est pas des holds, il y a des paires qui tournent un peu ces petits carrés-là. En dessous, c'est la 2002R de chez JD, mais vous l'avez déjà vu dans la première vidéo. Ouais, ça, qui a un petit peu augmenté. Hein. Qui a même bien augmenté. Ça, c'est de la grise. Ah, elle est belle. Et l'autre, c'est de la noire. Voilà, comme ça. Les paires ont déjà augmenté, ça vaut près de 200€ maintenant, sachant que nous, on a eu ça retail dans les JD. Donc je laisse Baptiste présenter la prochaine étagère. Bon les gars, sur cette deuxième partie, on va vous dire un petit peu ce qu'on a vendu par rapport du coup à la première vidéo. Donc ici vous pouvez voir que c'est vraiment l'étagère des Dunks. Qu'est-ce qu'on a ? En fait, on a réfléchi un petit peu sur nos investissements, on s'est dit qu'on préférait avoir des gros bulks quand ça commence à partir de 5-6 paires, plutôt que garder des paires toutes seules à une à deux paires. Donc on a pu dégager nos Harvest Moon, la Grey Fog, nos Dunk High aluminium. Donc on a pu dégager un petit peu ça, et puis après tout le reste en soi ça n'a pas changé. En haut, on a investi dans les Pump Purple. Vas-y, sors-le, une paire. Voilà, tu me fais hop. Donc une très très belle paire pour d'ici cet été qui est déjà en train de très bien marcher. Et les prix, on a eu autour des 150-160. Donc il y en a 15, une quinzaine. Ensuite on a les Air Max One Pata. Ça ne bouge pas, ça reste là pour pareil pour cet été, ça va être vraiment très très bien. Ouais. Les archéos, c'est pareil, ça va pas bouger. Ça bouge pas, ça reste là. C'est, je pense, notre plus gros investissement pour l'instant. Ouais, c'est la quantité, c'est la plus grosse quantité. C'est la plus grosse quantité. Combien 36 paires d'archéos. Et après, sur le bas, bon, je passe en vif. Là, on a nos Dunk Solstice qui sont vraiment en train. Ils vont pas tarder à partir parce qu'elles ont bien up là. Ouais, c'est en train d'augmenter au fur et à mesure. Bon, de toute façon, vous avez déjà vu, donc ça sert à rien que je ressorte là. On a de la Golden Road, elles sont nos Golden Road ici. Au-dessus. Elles sont là. On a des Golden Road, donc ça pareil, vous aviez déjà vu dans la première vidéo. Donc ça bouge pas et ça a aussi commencé à augmenter un petit peu. Ouais, 150€, ça va valoir, c'est un peu plus long qu'on avait prévu, mais. Mais en tout cas, c'est en train d'augmenter, sachant que pareil, on trouvait ça dans les JD toujours retail. Donc c'était génial. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai, il y a de la Dunk High University Red, mais ils ont déjà vu, et Dunk High Black. Voilà, c'est ça. Donc je vais laisser Louis pour l'étagère suivante. Donc du coup sur cette étagère là il y a eu pas mal de changements. Il y a de la Jordan 4 Shimmer qui est partie. On est content, on avait acheté ça à 220€ et on a acheté ça à 350€ à peu près.
Donc on est super contents, c'est un super bon hold de réussi. Il nous en reste deux, il nous reste toujours les petites mid. Non, il y a la mid. Comment elle s'appelle ? La 2021, qui est partie. Puis voilà, il nous reste un peu de Jordan Wanlo et une mid. Mais on a surtout. Ça. T'as pas parlé de la manière ? Oui, la manière. Qui sont à côté, qui commencent à partir. On a vendu la première paire. Ça y est. Donc voilà, première paire vendue et les autres vont suivre dans la foulée. Parce que un peu un petit pincement au cœur, mais bon, il faut vendre, il faut savoir vendre des paires pour acheter. Parce que du coup, on ne sait pas s'il y aura un restock de la paire. Il y a eu un restock, vous savez, ça nous a fait un peu paniquer, mais bon, il faut rester zen. Quoi qu'il arrive, ça ne retombera jamais au prix que l'on a acheté, donc il n'y a pas de risque. Mais voilà, première paire qui est partie et qu'on va aller vendre d'ici peu. On est super content, mais un petit pincement au cœur quand même. C'est ça. Bon, note. Gros investissement avec le Dunk Purple qui est revenu là récemment. Malachite, 15 paires. Oui, 15 paires. Ouais. Acheté au très bon moment avant que ça up. Et encore, on aurait pu choper ça un peu plus bas, mais on aurait dû garder ça un peu plus longtemps. Ouais. Alors que là, c'est vraiment pas longtemps qu'on les a et ça a déjà bien up. C'est sûr. Donc pareil, on est bien bien content de cette petite malachite qui nous fait des ravages. Hein. Et les prix sont souvent 165 euros. On remercie le frérot Briux, s'il avait regardé la vidéo, qui nous a mis bien, qui s'est apparemment bien run Zalando, comme vous pouvez le voir, au vu du nom de Kate Jaune. Ensuite, LD Waffle Citron, ça bouge qui pas. Ont up. Si. Ouais. Enfin, ça bouge pas, on a toujours, mais oui, toujours, effectivement, quoi. C'est un petit peu. Ça commence à up 220 euros. Ouais. Je pense qu'on a acheté 170. Et surtout que, alors pour le coup, moi je t'ai laissé gérer ça, mais quand tu m'as montré ça, pour moi j'y croyais pas. Hein. Ouais, donc 220 euros, pour moi ça va aller taper les 300. Il y a une vraie demande, on reçoit beaucoup d'offres régulières sur Wesnu, tout ça. Donc ça, moi j'y crois, je suis assez confiant là-dessus. Et ensuite, Atmosphère, ça n'a pas bougé, il y a une paire qu'on a vendue. Voilà, mais sinon, Atmosphère, ça n'a pas bougé, ça reste là. Mais attendez, parce que le meilleur reste à vous montrer. Il y a quelque chose de très beau qui arrive. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah ça va. Et oui. Notre dernière livraison. Notre petit. Bon, ça sera pas là, mais. On peut. Ouais, par exemple, quand même. Easy 450 chopé sur un accès exclusif sur Confirm. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Bon. Peut-être parce que c'est le seul accès exclusif que j'ai de ma vie et je me suis dit que je voulais pas le rater. Bref, ça a pas de rapport avec ce qu'on a reçu. On va parler de nos bébés, les Yeezy Slide. Il y a eu un restock cette semaine, on l'a pas manqué. Du coup, il nous reste tout d'abord des ocres qu'on avait déjà. Ça a bien up, je suis assez surpris parce que personne n'en voulait. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça vaut 120-130 euros. C'est vrai. Personne n'en voulait à l'époque. Retail toujours, ça se vend, il n'y avait aucun souci à les trouver retail. Hop, ensuite on a de la Onyx. Très très bonne paire, les gars. Si vous c'est en vrai. Avez, gardez ça au chaud parce que c'est ça, vrai. Je vous le dis, c'est incroyable. Et surtout, la couleur est beaucoup plus appréciée alors que c'est une couleur qui reste quand même assez basique. Tu vois. Ouais, la couleur est très très appréciée. Une réelle demande là-dessus. Donc si vous en avez, gardez ça bien au chaud ou venez nous les vendre. À vous de voir. Mais voilà. Et de la pure qui est. Je vais avoir une pure. Ici, de la pure là. Qui pareil, bah regardez. Voilà, la métier. Monsieur les a aux pieds. Donc incroyable. La pure, toujours une vraie réussite, couleur et crème. Et un très très beau coloris pour l'été. Hein. Ah oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est clair. C'est pépite. Ça, c'est un hold qui va être assez rapide pour nous, je pense. On va voir comment ça se débrouille, mais je sais pas combien de temps on va garder ça. Il y a un peu plus de 25 paires, je sais pas précisément combien il y en a. Mais voilà, c'est. Il n'y a pas de green glow, du coup il y a ocre, pur et onyx, pas de green glow, mais c'est notre dernier achat en date qui nous a pris tous nos sous. Donc du coup on a oublié de vous montrer je pense l'une des paires les plus importantes qui pour moi cotera le plus sur cette année 2022. Je vais aller vous la chercher, ne bougez pas. On a oublié de vous parler quand même de cette paire. Ah oui, on a fait une belle bêtise, on avait une paire en stock. Et on avait une paire en stock, mais on n'a jamais. Enfin. En fait, on l'a acheté à un mec qu'on connaissait, on n'a pas pensé à vérifier. En fait, c'est un truc, si, on a vérifié l'authenticité de la paire, tout ça, mais c'est un truc dont on se rend pas compte quand on l'a comme ça. Ouais. En fait, c'est deux pieds droits. Merci Suprême de vendre des paires. C'est fou, hein. Deux pieds droits, c'est quand même fou pour une grande marque comme ça. Mais bon, on n'a pas vérifié, on l'a vendu. En fait, c'est un truc qui se voit pas quand tu les checkes la paire, c'est pas un truc que tu remarques. Parce que tu checkes une paire, tu ranges et tu sors l'autre. Mais. Et par contre, on aurait dû vérifier deux pieds droits. Parce que du coup, on l'a vendu Wesnu et évidemment, ils nous l'ont refusé. Et vrai, c'est pas grave, cette paire, vous la verrez très vite dans une prochaine vidéo, je pense. On vous prépare une petite surprise du coup avec. Un petit peu plus.
Bon voilà, c'était la petite blague pour la fin de la vidéo. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Dites-nous si les petites actualités comme ça, investissement, ce qu'on fait, nous, qu'est-ce qui arrive par la suite, etc. Vous verrez, parce qu'il y a des paires qui vont arriver. Carrément, et puis même dites-nous, vous, vos investissements, s'il y a des investissements sur lesquels vous vous retrouvez, ou vous avez aussi chez vous deux, trois petites paires de tel modèle, et si même vous avez d'autres modèles à nous proposer. N'hésitez pas, vous nous dites, et puis... Et puis voilà, en tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe.